Bonjour, je m'appelle Victoria Wright, j'ai 20 ans et je suis une étudiante à Farvel de Vie au Québec. Donc là, je vais vous expliquer un peu à quoi ça ressemble une journée dans ma vie comme étudiante. Dans le matin, je me réveille entre 6h30 et 7h. Je me prépare, je me brosse les dents, je m'habille pour la journée. Après ça, on a un temps de culte personnel. Des fois, je vais aller prendre une marche dehors ou je vais juste m'installer quelque part puis lire ma Bible. Spécifiquement, le mercredi matin, on a un culte qui est dirigé par un membre du personnel qu'on fait ensemble vers 7h45, juste après le déjeuner qui est à 7h30. Puis à 8h30, on commence les cours. Donc les cours à Parole de vie, souvent on a un nouveau cours par semaine. Par exemple, un cours sur Actes des apôtres ou un cours sur le thème de faire des disciples. Mais on a aussi des cours qui se suivent pendant toute l'année comme les cours de survol ou de doctrine. Une chose que j'aime particulièrement par rapport aux cours de Parole de vie, c'est qu'il y a toujours une façon de les appliquer concrètement dans nos vies. On voit des exemples de comment on peut vraiment mettre ça en pratique, puis j'aime full ça. Donc le mercredi matin, vers 9h30, tout le campus s'arrête, puis on se rassemble dans la salle de classe pour vraiment prendre un temps de culte ensemble. Souvent, la prédication va être faite par le prof invité de la semaine, puis personnellement, j'ai le plaisir d'assister au ministère de la louange. Donc, à 10h15, on arrête les cours pour un petit moment qui s'appelle la pause café. C'est probablement ma partie préférée de la journée. Puis après ça, les cours recommencent à 10h45 jusqu'à 12h30. Donc, après les cours, on dîne à 12h30. Puis après ça, pendant l'après-midi, on a des tâches. Des fois, souvent, on a la vaisselle tout de suite après le dîner. Puis on a aussi des tâches ménagères comme laver les bâtiments ou racler le terrain, des choses comme ça. Chaque après-midi est un peu différent. Les mercredis spécifiquement, on a une activité qu'on fait ensemble à 15h. C'est une activité entre étudiants et staff, puis le but, c'est un peu de créer des liens d'emploi. Donc, les soirs sont beaucoup moins structurés que le reste de la journée. On soupe autour de 17h30, puis après ça, on fait des devoirs, on a des bonnes conversations en groupe, on joue des jeux de société, on fait plein de petites affaires comme ça. Puis vers 10h30, je me couche pour dormir. Donc tout ça, c'était juste un petit aperçu d'une journée dans la vie d'une étudiante. Mais Parole de vie, c'est beaucoup plus que ça. Si ça t'intéresse de venir prendre une année et étudier la Bible ici, je te conseille vraiment de prier par rapport à ça, puis d'aller chercher des conseils auprès des adultes, puis des gens autour de toi, parce que ça peut vraiment valoir la peine. Merci beaucoup. Bye.